Salut les gars, j'espère que tout le monde se porte super bien. Ok, sinon moi de mon côté ça va très bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Je pense que c'est la deuxième progression du jour. Donc les gars, concentrez-vous sur cette vidéo et prenez rapidement vos coupons de Paris. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes sur la chaîne de Jimmy NJG, les nouveaux, vous êtes très bien sur la chaîne de Jimmy NJG. Activez-vous à la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater des astuces à venir. Pour ne pas rater à des pronostics à venir. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Bon, comme vous le voyez ici, vous voyez, il y a match de Espagnol, il y a match de Atlético Madrid, il y a match de Villarreal ici. Donc, les gars, je pense que aujourd'hui, je ne veux pas qu'on perde les coupons aujourd'hui comme on l'avait fait hier. Ok. Bon, ici, ce qu'on va faire, c'est très simple. Ce qu'on va faire ici dans cette match, c'est très, très, très simple, les gars. Bon, comme vous le voyez, donc, on va juste regarder comment les matchs ont été joués, comment les codes de match sont avant de passer. Avant d'ajouter les matchs à nos coupons de Paris. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si on vient ici maintenant, comme le match de Arsenal, bon, qu'est-ce que je fais? Je viens tout juste ici. Je vais balayer l'écran. Vous voyez? Donc, je viens sur l'option double chance. Vous voyez? Donc, je vais ajouter ça au coupon de Paris. Donc, ce qui veut dire que Arsenal va gagner soit au match ou bien soit Arsenal va jouer un match nul. Est-ce que vous voyez? Bon, pour le match de Espagnol contre Elche, bon, je viens tout juste ici. Donc, vous voyez, l'option double champ. Donc, je vais choisir. J'ai choisi un 2. Vous voyez, j'ai choisi un 2. Ce qui veut dire que entre les deux équipes, une équipe va gagner le match. Donc, voilà. Donc, je viens ici maintenant pour le match de. Pour le match de Villarreal. Pour le match de Villarreal. Donc, je viens ici. Je vais ajouter. Je vais ajouter le. Je vais ajouter. Je vais donner double chance au Villarreal. Donc, je vais ajouter double chance au Villarreal. Donc, comme vous le voyez. Donc. Et ensuite, regardez pour le match de Barcelona. FC Barcelona. Donc, je viens tout juste à côté ici. Donc, je viens ici. Maintenant, je vais donner double chance au Barça. Oui. Voilà ici, je vais donner double chance au Barça. Ce qui veut dire que FC Barcelona va gagner ce match. Soit, il va jouer un match nul. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Je vais regarder. Je vais... Bon. On a un code de 1,932. Ok, donc là on a déjà un code de 1,9. Donc si vous voulez, si vous ajoutez 1000 francs, regardez ce que vous avez recruté comme agent. Ok, donc si je viens ici pour le match de. Ok, donc on vient tout juste en bas ici. Bon, je se trouve le match. Ou bien j'ai déjà dépassé le match en haut. Non, le match ne se trouve pas ici du tout. Donc, je vais, donc il me semble que le match se trouve en haut ici. Bon, comment qu'est-ce qui se passe? Ok, donc les gars, voilà Aston Villa, match de Aston Villa. On va ajouter ça seulement à notre coupon de Paris maintenant. Donc on vient tout juste ici sur Corner. On va cliquer sur corner. Bon, je vais ici à côté. Je vais sélectionner corner. Ok, donc les gars, si vous venez maintenant sur l'option corner, qu'est-ce que vous faites? Vous allez directement cliquer sur un 2. Waouh, les amis, on a toujours le même problème. Le même problème continue toujours de se produire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais que vous ajoutez à votre coupon de Paris avant de miser dessus. Et là, vous aurez un code de 2. Donc, les gars, j'espère que c'est tout pour cette vidéo. Bon, on dit. Ah, excusez-moi, je vais enregistrer le coupon de Paris avant de vous laisser. Donc, si je viens ici, c'est pour enregistrer le coupon de Paris. Donc, voilà. Voilà le code. Voilà le code de Paris. J, J, J. U 5 JJ. Donc vous voyez, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Mais les gars, on dit à bientôt et à plus tard.